Bon, bah j'y vais, moi. T'es sûr pour le short, là? Ben quoi? Y'a rien qui te choque. Ben non. T'es habillé aujourd'hui? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va, Camille? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Après, t'as vu la photo que t'as postée? T'as vu les commentaires? Il a 21 ans au moment où il peint cet autoportrait et il effectue ici une sorte de remise en question. Il se représente devant un miroir et essaie de découvrir s'il est capable ou non de se représenter. Le problème qui se pose, c'est l'objectivité et la subjectivité. Quand on se représente, peut-on effectivement être neutre ou au contraire, essaie-t-on d'embellir son autoportrait? Alors, vous découvrez ici... Camille, on range le portable. Ne m'obligez pas à vous le confisquer. On peut continuer? Bien. Donc en fait, la représentation, les points communs entre la vanité de la photo. T'as pas honte de poster ça? Mais tu te respectes pas en fait. On se voit bientôt au bois de Boulogne alors. Je vois pas qu'elle me voudra de toi après ça. Oh là là, tu me fais pitié mec. Non mais regarde-toi, tu me dégoûtes. Il a une sale gueule, mais vous trouvez pas qu'il a un bon petit cul la lumière? Suicide-toi pour nous, s'il te plaît. Oh Camille, je te parle. Excuse-moi, mais ça commence à me gaver. Je veux dire, j'ai posté un truc et ils sont tous en PLS. Faut qu'ils se calment, sérieux, tiens, lis ça. Ben, déjà, comment se faire supprimer? Ouais, mais je pose ce que je veux. Faut qu'ils arrêtent, sérieux. Quoi? C'est plutôt que je regarde, c'est lui. Il est encore plus mal foutu, en vrai. Toi, t'as pas honte de tourner avec ça? Au fond, t'es peut-être pareil. Allez, viens, on se casse. Hé, hey, j'ai vu ta photo. T'es toujours aussi mignon. Ça rappelle de bons souvenirs. Putain, y a même mon ex qui s'y met. Fais voir. Et si ça te dit, on peut se retrouver après les cours. Non mais crois quoi, sérieux, que c'est open bar? Ah mais c'est dégueulasse, elle vient de m'envoyer une photo de sa chatte. En même temps, c'est pas étonnant que les gens aient cette image de toi. Thank you.
Camille, tu me fais pas un petit strip? J'ai l'impression que ça va pas changer grand chose de supprimer. Tu crois que je devrais en parler à la CPE? Ouais, je sais pas si ça va changer grand chose. Mais au point où t'en es. Bon, Camille, pourquoi tu voulais me voir? Depuis ce matin, je me fais insulter par tout le lycée sur Instagram. J'avais juste posté une photo, mais je m'en prends plein la gueule. Quel genre de photo t'as posté? Ouais, mais bon, Camille, faut pas s'étonner. Alors, quand on poste ce type de photo sur les réseaux sociaux, faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences, quoi. Ah ouais, mais madame... Bon, écoute, Camille, sincèrement, j'ai pas le temps, là, en fait. Et puis, c'est pas parce que t'as fait deux, trois remarques que c'est la fin du monde. T'as cours? Bon, sinon, tu peux rentrer chez toi. En plus, t'en profiterais pour changer, parce que je trouve que c'est un petit peu court. Encore? Elle fait des festivals cet été, des trucs de ouf. Oui, mais j'en ai fait un. Hé, hey, mais ce serait pas le BG de la photo? T'as pas un zoom? Allez, fais-nous plaisir. Calme-toi. C'est bon. Allez, je sais qu'il y a ça. Ça va, ta journée s'est bien passée? Oui, oui. Il y a le lycée qui m'a appelé au boulot. Tu peux m'expliquer ce que c'est, cette histoire de photo? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pensé à ton père? T'as pensé à moi? Non, non, monsieur pense à lui. Monsieur fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens, maintenant?